Bonjour Madame Gay. Bonjour. Hé. Hé. Votre mari. Mon mari et puis quoi? Quoi? Tu veux faire quoi à lui? C'est sa santé, je demandais si ça va chez lui. Ah oui. Tu es docteur. Tu es docteur. Moi je savais pas que tu étais docteur. T'as pas vu mon mari Daga? Ton mari Daga? Oui. Donc moi je suis gardienne de Daga. Non, c'est pas parce que tu es dingue, tu es la gardienne de Daga, j'ai juste demandé à prendre. Madame, moi c'est mes problèmes. Je ne peux pas prendre pour toi pour ajouter sur pour moi. Tu as compris? Pardon, faut avancer. Non, pardon. Pardon est mieux. Pardon est mieux. C'est quoi même? Toi, tu vas mettre 10 francs dans ma bouche pour prendre 100 francs. Ça va pas, non? Je ne comprends pas les femmes qui ont mari là. On ne peut même pas grignoter un peu leur mari. Elles sont quoi comme ça dans la rue. Il y a quoi? Oh! Eh, ballon. Eh, beaucoup non. Quel ballon? C'est quoi même? C'est quoi? Hein? Où tu es là? Si on dépose ballon ici, toi tu peux jouer. Tu peux jouer. Tu peux pas jouer ballon, puis tu es là, tu embêtes les gens dans la maison là. Ballon. C'est ce que moi je veux la convaincre. Tu as compris? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Notre amour là, c'est fini. Tu as bien entendu, j'ai dit notre amour est fini. Tu as compris? Quoi? D'abord, tu es invalide. Tu es incapable de quoi que ce soit. Et puis tu es là, tu embêtes les gens. Moi là, je suis fatiguée. Bavard, hein. T'as compris? Je sors. Tu vas où? Je vais à Bangoro. Ah, c'est ça là, moi j'ai resté derrière tout le temps. Il n'a rien passé. Je le savais qui. Oh, bah c'est Thérèse là. Mon ami Gay, comment tu vas? Ah mon cher, ça va. Ah, Dieu merci, ça va. Dis,
Tu as la rééducation? Oui, je suis là-bas hier même. Ils disent quoi? Ça va? Bon, ils disent ça va aller, ça va aller. Ah, ça va aller. Dieu, mais c'est vraiment Yako. Yako. Ça ira. Amos. 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 Il t'appelle depuis, tu réponds. Tu as un souci? Il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, je t'ai venu te voir pour un business là, je ne sais pas si on peut gérer ensemble. Là. Non, actuellement, il n'y a pas la tête à ça. On gérera après. On gérera. Pas de soucis. Elle t'a fait la fin. Ok, ok. Yako, courage à toi. Ça ira, on va mettre ça en prière. En tout cas, ouais, merci. Ça va aller. Merci. Par la grâce de Dieu. Toi, non, ça va aller. Mais dis-moi, madame. Basé. Ah, elle est sortie. Ah, ok, il n'y a pas de soucis. Elle est sortie. Sans faute, il n'y a pas de problème. Eh bien, comme j'étais dans les parages, bon, je dis, je vais passer pour venir jeter un coup d'œil sur toi. Prends de ta nouvelle. Tu as bien fait. Tu as bien fait. En tout cas, c'est qui me rend visite. C'est qui me rend visite. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va aller, ça va aller. Yako. Merci. Merci. Oh, ok. Bon, je ne vais pas prendre trop ton temps. Oui. Je vais te laisser te reposer. Je vais essayer de partir. Je vais rentrer. Merci. Merci. Okay. Eh bien, bien de choses à madame. Merci. Hein? Ok, courage à toi. Merci. Hey, au revoir. Yako. Merci. Prends un rétablissement. Merci. Hey, ça, c'est un vrai homme même. Quelqu'un qui vient me rendre visite à quelqu'un qui est malade. C'est un homme. Oh, oh. Basé Thérèse-na. Oh, yeah. Tu sais, moi, il y a quelque chose que ta femme a fait aujourd'hui. Moi, je n'ai pas aimé ça. Ta femme, là, elle est partie jusqu'à dans mon foyer pour aller demander après toi. C'est comme ça on fait. Hein? Tu dis quoi? Je te dis, hein. Heureusement que mon mari dormait. À cause de quoi? Je sais pas. Oh, oh. Basé Thérèse-na. Oh, yeah. Talakounouké. Basé Thérèse-na. Amour, c'est comment? Ça va? Y'a quoi? Mais il descend pas là. Ton oncle il est mort ou quoi? Fipé. Moi je suis pas d'accord. Tu as tué mon oncle comme ça. Oh, toi aussi. Faut m'excuser. Hein? Posez. Là, voilà. Salut. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Voilà, nous, on est quittés au village. Nouvelle. Ah, les nouvelles. Bon, c'est dit, faut donner lui les nouvelles. D'accord, il n'y a pas de problème. Toi, il n'y a rien de grave. Comme tu es malade, tu es invalide, tu ne peux plus rien faire. Donc, je suis venue chercher ma rivale. Elle va être la deuxième femme de mon mari. C'est pour ça, mais attends. Mon frère, pardon. Tu dis quoi? Une femme est sortie de soi. En tout cas, elle n'a qu'à te sentir d'elle. Elle a osé. Elle a osé. Elle n'a qu'à te sentir d'elle. Moi, j'aime pas les femmes qui sautent de chez elles pour chez les gens là. Hey! Qu'est-ce que je vois? Tu as vu quoi? Tiens. Tu as vu quoi? Toi, tu fais quoi avec la femme de ton ami? Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Elle avait demandé de madame, toute pimpante. C'est ça. Ton mari est malade et toi, tu te bien bon. Mais quand le mari est malade, donc on ne doit plus s'habiller, on ne doit plus rien faire. En 15 ans. Ah, attends. Belle. Pardon, rose. Tu sais quoi? Beauté. Monsieur, tu fais quoi avec la femme de ton ami? Tu es malade? C'est qu'elle a parlé là, tu n'as pas compris? Tu es malade, non? Tu es invalide? Est-ce que tu es invalide? Tu es invalide? Tu as dignité? Est-ce que tu as dignité? Ou tu es là, tu as mouru fini? Pour boiser. On est venu pour la boiser partir. Je t'en ai venu demander. Mais c'est ça là, ça te regarde. Moi, je suis venu lui demander de nous prêter de l'argent pour payer sa pécule. Pour payer sa pécule.
Donc allons tous le soigner. Pourquoi? Eh? Tu es docteur. Mais on est tous venus demander de l'aide. On est tous venus demander de l'aide. J'ai compris. Je vous laisse, hein. Mais vous allez sentir ça. Elle se mêle de tout ce qui. Je sais que c'est le papato de ta femme là qui a pris Kate là comme ça. Mais quand même si quelqu'un est marié, on peut sortir un peu à elle, lui, ça fait quoi? Elles sont. J'ai dit, j'ai été mariée. Moi, j'ai mon mari. Je veux qu'il m'aime même. Il te prend en même temps, tout va finir. Moi, j'ai senti que tu ne m'aimes plus, hein. Hey. Non, c'est bon. Non, pourquoi tu dis ça? Mais de la manière dont je te vois triste là, on dirait que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, hein, à la maison. Depuis que mon oncle est tombé malade, sa femme se fout de lui. Elle se fout de lui. En plus, ses amis ne viennent même plus lui rendre visite. C'est pas possible. Mais tu sais, mon frère, ce que moi je peux te dire, c'est qu'il faut tenir bon. La seule manière pour que ton oncle puisse sortir de cette histoire là, c'est la prière. Oui, il faut beaucoup prier. Sinon, les amis là, ils ont été toujours ingrats. Moi, j'ai vécu cette situation, tu le sais. C'est toi-même, j'attendais. On allait partir voir tonton Daga. Mais pourquoi? Pour qu'il me donne des conseils à ma tante là, parce qu'elle se fout trop de mon oncle. En tout cas, tu as raison, hein. Tu as raison. Allons de ce pas. Mankali, franchement, toi, c'est trop. À la maison que de te préparer. Tu prépares pour qui? Il est assis là-bas avec elle. Et qui? Avec la vieille là. Ils sont un c'est bien bon. Merci. C'est bien bon. Tu connais mon nom. Dès que tu tournes la bouche, moi je continue mon chemin. Hein, fais comme si t'as rien dit. Dès que tu rentres vers le fond, tu hein, vers le fond, tu dépasses tous les clients vers le fond. Hein, tu vas les trouver là-bas. Merci, hein, voisine. Donc, tu dois faire le travail. Il n'y a pas de problème. Comme sur moi. Je dois voir ce qu'elle fait. Tout le village là, tu es au courant qu'elle a fait d'autres, non? Il n'a pas fait d'autres. Même mariage, tout le monde n'a pas venu ici. Tout le monde est au courant qu'on lui a doté. Attends. Basé, tu es donné plein de basé pour être ta deuxième femme. C'est que j'ai parlé à toi. C'est ça même que je t'ai parlé. Il y a quoi? Tu pleurais pourquoi? C'est ça que tu pleurais. Quand tu pleurais comme ça, tu deviens vilain. Mon balai, elle doit être ta femme. Mon balai, elle doit être ta femme. Madame, tu n'as pas la gardienne. Tu fais quoi mon mari? Quoi? Tu fais quoi mon mari? J'ai dit aujourd'hui là, la gardienne. Tu fais quoi mon mari? Tu fais quoi avec mon mari? Il a dit voler ce mari. Oh la gâteau, voler ce mari. Elle a volé mon mari. Je t'ai tiré. Mais elle est sauvage. C'est quelle femme ça? Tu veux ça quoi? J'ai dit, viens le marier. C'est juste pour grignoter la tuyauterie pour faire affaire. Tout le gâteau. Pourquoi elle est bête comme ça? Oh, oh. Basé Thérèse, non. Oh, yeah. Tu vas commencer à pleurer. Oui, allô? Oui, allô? Hein? Attends. Ne quitte pas. Bonne arrivée. Merci. Allô, tu as dit où ça? Carrefour Hôtel? Ok, d'accord. Je vais venir avec. Hé, tu as parlé quoi? Donne-moi ça. Aïe! Tu es malade? Tu as quitté où? Parlez-moi vite, hein? Il y a quoi? Comme quoi? Mais pourquoi? Parlez vite, hein? Mais j'ai dit pourquoi? C'est moi que tu poses des questions comme ça? J'ai dit pourquoi? C'est moi que tu poses des questions? Pourquoi? Depuis là, tu es là, pourquoi ça finit pas? J'ai dit, oh, ce qu'il dit là, tu n'entends pas. On est venu te chercher. Tu vas être ma rivale, la deuxième femme de mon mari. C'est tout! Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce cas? C'est tout! Alors, tout le village il t'a doté, non? On a doté toi? On a mais pas doté? Si on m'a doté pour Gayfer, c'est pas pour tout le monde. Monsieur que tu as vu là, est-ce que lui là il a valide? Il a valide? Mais ça, il a garçon? C'est pas ton problème, c'est mon mari. Quelqu'un il a mouru fini. C'est pas ton problème. On t'a demandé quoi? Et puis, Abila, tu as porté lui comme ça pour sortir? Oui, j'ai porté ça comme ça. Et puis pourquoi?
Pourquoi que tu as porté ça pour sortir? Je devais porter quoi? Tu as appelé qui? C'est quelqu'un. Tout fiance là, quand tu passais comme ça, tout le monde t'a regardé. Oh, il a quoi même? Attends. Je t'ai fait rire. Tu me fais rire. Tu vas prendre ton bagage. On va partir au village. Est-ce que tu m'as compris? Attends. Donne mon téléphone d'abord. Je ne vais pas au village avec toi. Parce que toi, tu n'es pas mon mari. Moi, voici mon mari. Wow. Toi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Quel que soit ce que je suis là, on est ensemble. Tu as compris? Vas-y. Bon, Céline, on va partir voir quelqu'un à côté là-bas. Zilbert. D'accord. On va revenir, hein. Allons-y. Laissez balade ici. D'accord. Donne ton bagage, hein. Ton bagage. Chérie, pardon. Tout ça, faut arrêter. Quand tu veux me parler, là, il faut parler. Tu as bien commencé, tu vas pleurer encore. Je ne vais pas entendre ce que tu dis. Tu veux quoi? Petit frère, il est venu te prendre par le village. Il ne peut pas me prendre. Chérie, il ne peut pas me prendre. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend les gens? Tu es mon mari. On est mariés légalement. C'est quoi? Ça va passer. Tu vas guérir. Et puis, il va te voir. T'inquiète. Amen. On est là. Amen. T'as compris? Il ne faut plus pleurer. Ça, la même, ça, c'est quoi? Non. C'est quoi ça? Zilbert, là, il a un garçon. C'est ça, Zilbert. Zilbert, hé. Céline, viens ici. Tu as pris bagage là? Pris bagage pourquoi? Pour la bagage, on va partir au village? Partir où? Tu ne partis pas au village? Je ne vais pas au village. Pas au village. C'est quoi ça? Sortez comme ça? Sortez de chez moi! Sortez d'ici! Sors! Mais alors, femme là, tu as un grain, hein? Oui! Sors. Tu as un grain, hein? Oui! Si j'ai parti au village, j'ai parlé à tout le monde. Qu'est-ce que tu es? Que tu es mauvaise. Ah bon. C'est toi qui as fait un métier là, il est devenu comme ça. C'est moi. J'ai parlé, fini. C'est moi. C'est fini. C'est moi. Regardez. Tais-toi. C'est elle, non? Il faut pas parler. C'est elle. Regardez. C'est bon, faut pas faire trop d'efforts. Faut laisser celui-là. Faut le laisser, hein. Tu n'es pas là. Tu n'es pas content, hein? Si tu es venu avec moi là, faut parler vite. Tu as compris? C'est quoi tu as fait comme ça? Toi-même, tu n'étais pas là-bas. C'est quoi? Tu ne pouvais pas parler. Hein? Tu ne pouvais pas parler. J'ai dit, tu as dit quoi? Tu as parlé quoi? Tu étais là-bas avec moi. Tu peux pas parler. Tu l'as dit quoi? Chaque fois, c'est comme ça. Tu me soulèves. Allons, on les prend. Deuxième femme. Deuxième femme là, tu ne vas jamais prendre. Tu vas tellement mon cœur. Avant là, tu étais comment? Tu étais mère comme ça, il t'a nourri, t'as un peu de chair, c'est fini. Hein. Deuxième femme, là, tu vas jamais prendre. Femme là. Pourquoi ton cœur est blanc? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Femme là. Toi, tu es ingrat. Tu es mauvaise, hein? Femme là, tu es mauvaise, hein? Tu vas jamais prendre. Tu m'as supporté la nuit? Tu m'as supporté? Faut laisser pour c'est toi. C'est question là. De rien. Faut laisser pour toi là. C'est question de rien. Faut laisser pour toi là. Ingrat que tu sois. Tu vas jamais m'attendre, hein? Tu vas où, mais? Bien, mesdames et messieurs, je vous en prie, hein, vous qui chaque fois, à tout bout de champ, vous êtes choqués, vous êtes sidérés. Ce film n'a pas été tourné pour que qui que ce soit sidéré. C'est juste vous dire que Guéiver est vivant, il est là. Ce que vous avez commencé, il faut terminer. Guéiver est un père de famille. Ce qu'on a tourné là, ce n'est pas la vie de Guéiver. Elle, c'est Cathy. C'est la femme de Guéiver. C'est sa femme légale. Ils ont deux enfants. Ils sont toujours ensemble. Voilà. Guéiver, tu as quelque chose à dire? Bien. Tu es comme caméra derrière moi. C'est un pas vrai. Mesdames et messieurs, je suis Guéiver. Je suis là. C'est moi. Ceux qui m'ont aidé avant. Et je les remercie beaucoup même. Mais là, ceux qui vont m'aider encore, je suis là. Très bien, mesdames et messieurs, je pense que la femme de Guéiver va donner les numéros du frère. Donc Guéiver au 07 98 24 64 et le 40 72 14 98.
je remercie ma femme. C'est elle qui m'a soutenu depuis ma tombée jusqu'à maintenant. Ma tombée là, c'est quand je suis tombé debout. Jusqu'à je suis levé. C'est elle qui m'a soutenu. Vraiment, je vous aime. Je vous aime. On vous dit merci. Vous savez, les numéros là, c'est les choses. On envoie l'argent dessus. Donc, vous envoyez l'argent sur son 07 là. Oh, oh, Basé Teresna, où y est à Talagounouke? Basé Teresna, où y est à Talagounouke?